Et 12 mois. Il devient une référence pour les générations à venir. Ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas un homme ordinaire. Ma prière ce matin, oh my God. Ma prière ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de prier, que toi tu sois comme une référence. Une référence. Assieds-toi. Que tu sois une référence. Que l'on dise dans cette université à l'époque des... Hein? Des hommes qui remplacent des années. Ah oui, des hommes qui remplacent des années. Je ne sais pas si dans la maison de Joseph et de Marie, il y avait combien de calendriers. Je ne sais pas si l'horloge qu'ils avaient dans leur salon avait quelle forme. Mais écoutez, la Bible ne nous donne pas exactement l'heure à laquelle est né leur bébé. Mais la Bible nous dit néanmoins que leur bébé n'est pas né dans une maternité luxueuse. Leur bébé n'est pas né dans une maternité des expatriés. Leur bébé est né dans une crèche. Leur bébé est né dans un endroit où il y avait des animaux. Mais écoutez, la naissance de cet enfant, la naissance de ces bébés fera à ce que l'ordre de la chronologie puisse changer. À dater de lui, on parle d'avant lui et d'après lui. Alléluia! Voilà la race à laquelle tu appartiens. À la race de Jésus-Christ. On dit, Mahomet a vécu 600 ans après Jésus. Il devient la référence des temps. Alléluia! Il devient la référence des temps. Je prie que toi, si tu sois la référence, que l'on pose la question, quand est-ce que cette famille a commencé à être bénie? Que l'on dise, cette famille a commencé à être bénie depuis, pas 1916, pas 2016, on ne parlera pas de 2016, on dira depuis ça comme Maggie de l'homme. Tu peux bouger trois personnes, on dira ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une référence. On dit comme au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, il y a eu aussi une famine. J'aime ça. J'aime ça. Mais écoutez, lorsque un drame, lorsque un malheur qui était arrivé au temps de vos pères, un malheur qui a été vaincu et arrive vers vous, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Lorsque quelque chose de dramatique arrive deux fois dans votre ville, dans votre pays, après qu'il soit déjà arrivé ailleurs, c'est que Dieu n'est pas contre vous. Pourquoi? Parce qu'il vous envoie, écoutez, le problème c'est le souci du sida, parce que le sida n'a pas encore trouvé le vaccin. Mais si on souffre de la malaria, on croit que l'on guérira. Pourquoi? Parce qu'avant vous, avant que vous ne tombiez malade, il y a un comprimé, il y a un produit, il y a une cure qui a été préparée pour guérir cette maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le fait que je passe par le même chemin que mon père et que mon père aille à réussir, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une malédiction. Pourquoi? Parce que je peux juste me servir des leçons que mon... Voilà pourquoi les générations anciennes sont une bénédiction pour les générations qui viennent après. Même s'ils ont échoué. Même s'ils ont échoué. Même s'ils ont échoué. Les échecs des générations passées, leurs succès sont une bénédiction pour vous. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Isaac est tenté lui aussi de recourir à la même méthode que son père Abraham. Isaac pouvait aussi descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de son père était descendu en Égypte. Lorsqu'il y a eu une famine à l'époque de son père était descendu en Égypte. Attention mes amis. Son père n'est pas descendu en Égypte par lui-même. Abraham était descendu en Égypte sur l'instruction de Dieu. Dieu lui a dit, va en Égypte. Descends en Égypte. Là, tu auras la vie sauve. Et Abraham est descendu en Égypte. Et lorsque le tour d'Isaac arrive, Isaac comme un héritier. Isaac veut tout hériter d'Abraham. Il veut à la fois hériter la bénédiction. Il veut à la fois hériter la faveur. Mais il veut aussi hériter les méthodes. Dieu dira à Isaac, toi, ne descends pas en Égypte. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est immuable, mais il n'est pas monotone. L'immuabilité de Dieu n'est pas à confondre
avec la monotonie. C'est lui qui ne change pas dans sa personne, mais il a plusieurs tours dans ses manches. Il a plusieurs techniques pour bénir. Il a plusieurs techniques pour délivrer. Il a plusieurs techniques pour faire du bien à son peuple. Dieu dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham, mais toi, tu n'es pas ton père Abraham. Ton père, je lui avais dit de descendre, mais à toi, je t'interdis de descendre. On peut être le fils de son père et ne pas passer par les chemins par lesquels son père est passé. On peut connaître les mêmes problèmes que son père, mais ne pas avoir la même famille pour résoudre ces problèmes-là. On peut souffrir de la même maladie que son père, mais ne pas recourir aux mêmes médicaments pour guérir cette maladie. Le Dieu de la Bible est un Dieu tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il n'est pas le Dieu de la monotonie. Amen. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la diversité. Il est le Dieu de la diversité. Il ne fait pas les choses de la même manière tout le temps. Non, il est le Dieu qui change de formule. Avec toi, il peut te bénir différemment des autres. Je suis le Dieu de ton père, mais toi, tu n'es pas ton père. Il est le Dieu de ton voisin, mais toi, tu n'es pas. Regarde ton voisin, dis-le à trois personnes. Il est ton Dieu, mais moi je ne suis pas toi. Dis-le à trois personnes. Hein? Alléluia. Si ton voisin ne le dit pas, dis, il n'est pas ton Dieu. Il est ton Dieu, mais moi je ne suis pas. Même source, mais différent qu'en nous. Même source, mais différent. Oh! Avec Moïse, pour traverser la mer Rouge, il dit à Moïse, qu'as-tu? Moïse dit, j'ai la verge. Alors soulève la verge. Moïse soulève la verge. Il y a un vent venant de l'est et le vent a balayé la mer Rouge en deux. Moïse est passé. Avec Josué, pour traverser le fleuve Jourdain, il dit pas, Josué, qu'est-ce que tu as? Il dit à Josué, instruis les sacrificateurs, qu'ils mettent l'arche sur les épaules. Les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'arche, dans le fleuve, et le fleuve a séché. Le même fleuve. Avec Élie, il ne dit pas Élie, toi tu n'as pas une arche, toi tu n'as pas un bâton, oh désolé. Non, non, non. On veut traverser le même fleuve, mais avec le même Dieu. Seulement le même Dieu, pour nous faire traverser le même fleuve, ne va pas recourir aux mêmes méthodes. Avec Élie, ce n'est pas les bâtons. Avec Élie, ce n'est pas l'arche. Il prend sa veste, son manteau, il frappe. Il frappe. Il frappe le manteau. Et le fleuve Jourdain se sépare et Élie traverse. Le même fleuve, le même manteau avec Élisée, mais encore une autre modification. Élie a frappé, mais Élisée avant de frapper, il a roulé le manteau. Il roule le manteau, ensuite il frappe. Pourquoi Élie lui-même n'avait pas fait cela? Avec Jésus, c'est le même problème. Les disciples sont trop loin. En plein milieu du feu, comment les rattraper? Je n'ai pas de verge, je n'ai pas de manteau, je n'ai pas de sacrificateur pour porter l'arche. Comment faire? Non, cette fois-ci, le fleuve ne va pas sécher. Je marcherai sur le fleuve. On peut tous être mariés. On peut tous se marier, mais on ne se mariera pas de la même manière. Ah! Oh! On peut tous devenir bailleurs, mais on n'achètera pas de passer de la même manière. Il y a de ceux qui achèteront en économisant. Il y a de ceux qui achèteront parce que quelqu'un a sa dette et qui ne sait pas payer, il s'accepte de donner la parcelle. Il y a de ceux-là qui recevront des semences. Pourquoi vous dites tellement amen pour la semence? Il y a de ceux-là qui achèteront parce qu'ils ont économisé pendant 10 ans. Dites aussi amen. Il y a de ceux-là qui économiseront parce qu'ils achèteront parce qu'ils ont économisé pendant 18 ans. Dites aussi amen. Toutes les méthodes sont dès lors que ça ne frise pas Dieu. Dès lors qu'on ne commet pas un péché, ce n'est pas un problème. Ah oui? Il y a un zone où il y a un zone où bonjour y a un moi, ça me fait ça. Écoute, lui, il était timide. J'ai épousé un bon mari, il m'aime, je l'aime. Le problème, c'est quoi? Parce que c'est moi qui ai commencé à dire bonjour. Non. Il y a des hommes qui ressemblent à Boaz.
Il est dans les besoins, il a les moyens, mais il n'a pas. Alors il y a aussi des femmes qui ressemblent à Ruth. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu, tu protèges ton corps, mais tu approches. Ah mais comment? Ah oui! Il y a des bénédictions qu'il ne faut pas faire vieillir parce que je les attends. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas. Et elles avancent et s'arrêtent quelque part. Toi, va vers elles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas un problème. Aligning à Tabanaga, vous faites ça, ma moto, Tabanaga, vous faites ça, ma gentillesse. Amen. Alléluia. C'est pas qu'elle soit faible. Ruth à côté à Penza, à Lala. Elle venait tous les jours avec des habits de veuve. Mais le jour où elle a vu Boaz. Vous savez, votre habillement peut changer. Parce que bon lingo, il y a solo, solo. Et change sa kata, soit des marches. Et l'obélie. Et l'atelier, ou même considération à téléphone. Mais un amour qui ne vous change pas n'est pas un amour. Un amour qui ne vous change pas n'est pas un amour. Quand quelqu'un entre dans votre vie, quand quelqu'un entre dans votre vie, il faut qu'il y ait un changement. On lui pose la question par ses amis, mais c'est interdit? Non. La cigarette, pourquoi tu n'apprends plus? Les pneumatologues t'ont interdit? Oh non. Mais pourquoi tu n'apprends plus? Je n'apprends plus parce qu'elle ne supporte pas l'odeur de la fumée. Ah! Mais qui est-elle? Qui est-elle? Le médecin t'avait interdit, tu n'as pas obéi. Le médecin n'est pas entré dans mon cœur. Il est entré dans mon corps par les produits. Mais elle, elle est entrée dans mon cœur. Tiens-toi, Dieu.